This is the EdXL GCSE Paper 1H Listening Test in French Summer 2012 Question 1 Je travaille dans un bureau et j'adore mon travail. J'habite assez près, donc je vais au bureau à pied. C'est rapide, ce qui est bien. Je commence à 9 heures et je finis vers 18 heures. Quelquefois 19 heures. C'est très long et le soir je suis trop fatigué pour sortir. Je travaille avec trois autres personnes et on s'entend bien. On rigole beaucoup. Mon travail n'est pas bien payé et j'aimerais gagner un peu plus. Pocket Money Question 2. Écoutons d'abord Gaël. J'achète des jeux vidéo. Ma passion, c'est la musique. Et j'achète souvent des CD. Chaque semaine, je mets de l'argent sur mon portable. Ma mère m'achète des trucs pour l'école. Maintenant, Yannick. J'adore les magasins de mode. Et mes parents m'achètent souvent des vêtements. Avec mon argent, j'achète des applications pour mon portable, mais je n'ai pas le droit de télécharger des chansons. J'achète souvent des stylos et du papier pour l'école. Finalement, Elisa. Chaque mois, j'achète de nouveaux vêtements avec mon argent. Mes parents me payent mon portable, mais c'est moi qui dois payer pour télécharger des chansons sur mon iPod. A weekend away. Question 3. Alors, Nice est une ville très intéressante. Il y a plein de musées. Mais les enfants vont s'ennuyer. Moi J'aimerais aller à Dijon. Dans le centre, il y a beaucoup de petites boutiques qui sont très jolies. Ah oui, les enfants vont aimer ça. Par contre, à Annecy, il y a un grand choix d'activités sportives. Mais les hôtels sont chers, et les restaurants aussi. Oui, mais ils sont excellents et on y mange bien. Mais c'est vrai qu'à Dijon, les hôtels sont moins chers. Mais il n'y a pas de grand choix de restaurants, et il n'y a pas beaucoup à faire le soir. À Nice, c'est pareil. Mais à Annecy, il y a des concerts, et quelquefois des feux d'artifice. Les enfants vont adorer ça. Génial, on va y aller. Mobile phones in school. Question 4 Qu'en penses-tu, Samir Les portables sont interdits dans mon école. Mais c'est bête Beaucoup d'élèves ne respectent pas la règle. J'ai des copains qui utilisent leur portable en classe. Moi, je ne le fais pas. Les profs le savent. Et ils ne disent rien. Et toi, Nolwen Les enfants devraient avoir le droit d'avoir un portable à l'école. Mes copains et moi, nous avons tous notre portable en classe. On s'envoie des textos, c'est rigolo. Les profs ne le remarquent même pas. Et Gad dans mon collège, c'est toléré. Beaucoup de profs sont contre, parce qu'ils pensent que les élèves vont les utiliser en classe, mais on ne le fait pas. All about me. Question 5. J'écoute mon iPod tout le temps. Je n'aime pas la lecture et je vais rarement au cinéma. Je passe beaucoup de temps à l'ordinateur. J'ai ma page personnelle et j'aime chatter avec mes amis. Je fais de la natation et je vais souvent à la piscine. J'adore ça. J'aime aussi faire les magasins avec mes copines. Mes parents me donnent 20 euros par semaine. Ce n'est pas assez. hypermarkets. Example. écoutons d'abord bruno. ils sont très pratiques. question six. et noélie? c'est très facile d'y aller en bus et on y trouve de tout. mais faire mes courses là-bas? Ça me met de mauvaise humeur. Pascal Il y a toujours beaucoup de monde, mais ça manque d'ambiance, c'est froid et triste. Aïcha Là où j'habite, l'hypermarché est à l'extérieur de la ville, et il y a seulement un bus toutes les deux heures. Gaspard. On dit que tout est moins cher. Mais ce n'est pas vrai. Certains produits sont plus chers. Family Relationships. Question 7. Écoutons d'abord Mathieu. Chaque soir, on dîne ensemble. On s'entend bien. Mais mon frère m'énerve, parce qu'il ne fait rien pour aider. Parfois il y a des disputes, mais mes parents sont raisonnables, et il n'y a jamais de secret entre nous. Mais on fait rarement des sorties ensemble. Et maintenant, Chloé? Mes parents sont assez libéraux, et chez moi, on ne se dispute jamais. Mes parents travaillent beaucoup, donc tout le monde donne un coup de main pour aider. J'aime bien ma famille, mais je préfère être avec mes amis. On se dit tout. Et Franck. Mes parents font tout à la maison. Tous les week-ends, on va visiter quelque chose ensemble. C'est bien! J'aime passer du temps avec eux. Mais à vrai dire, mes parents sont un peu rétro et ne me comprennent pas trop. Alors, quelquefois, ça explose. Si j'ai un problème, j'en parle à ma sœur. Holidays. Question 8. Cet été, nous sommes restés en France. Nous sommes allés dans le sud. D'habitude, nous faisons du camping, mais les campings étaient complets. On allait rester chez ma tante, mais on a décidé de louer une petite maison. Normalement, nous faisons beaucoup de vélo. Mais cet été, on a décidé de faire des randonnées à pied. C'était fantastique. Ma sœur adore faire du cheval, mais c'était trop cher. La région était très belle, mais il n'y avait pas beaucoup de magasins, et moi, j'adore le shopping. On est allé au restaurant tous les soirs. La spécialité de la région, c'est le poisson et les fruits de mer. Moi, je déteste ça. Donc, je n'ai pas apprécié la nourriture. L'année prochaine, on va aller à l'étranger, au Portugal. Nous avons déjà visité l'Espagne et on va régulièrement en Italie. E-Readers There are two parts to this report on e-Readers. Answer questions 9 and 10 in English. E-readers part 1. Question 9. Les e-readers sont le nouveau gadget électronique. Un e-reader est léger. On peut le mettre dans sa poche et on peut télécharger des livres partout. Et bien sûr, il n'utilise pas de papier. Certains posent la question est-ce que les e-readers sont une solution écologique aux problèmes de l'environnement Est-ce qu'ils vont nous aider à sauver la planète Pas si on considère que seulement 12% des gadgets électroniques, comme des e-readers, sont recyclés. Donc, les vieux e-readers peuvent causer plus de mal à l'environnement qu'un vieux livre. E-Readers Part 2 Question 10 Je suis fan des e-Readers. On peut télécharger plus de 7000 livres sur une machine. Beaucoup de parents croient qu'un e-Reader va encourager leurs enfants à lire, mais, à mon avis, les enfants vont toujours préférer un jeu vidéo à un livre. This is the end of the recording.